pourquoi vous êtes là. Alors, on est là pour faire de la promotion santé. On est dans le contexte des actions santé de la ville de Sarcelles. Le service communal hygiène et santé organise tous les ans plusieurs journées thématiques. Et aujourd'hui, c'est celle dédiée à Octobre Rose, qui est un événement national, voire international, dédié à la prévention et au dépistage organisé des cancers, en particulier du cancer du sein. Tous aujourd'hui, avec nos partenaires institutionnels, les professionnels médicaux du territoire, l'hôpital clinicien, l'ICPN, l'ERSAN, on est tous ici aujourd'hui pour promouvoir le dépistage, la prévention et aussi, bien sûr, le soutien des femmes et hommes qui sont malades du cancer et qui ont besoin au quotidien d'avoir des soutiens psychologiques, de prendre soin de soi, le bien-être. Tous les thèmes sont abordés et l'importance également du sport au quotidien de toutes les personnes touchées de près ou loin par le cancer. Voilà. Alors, on est là dans le cadre du mois octobre rouge, qui est le mois de sensibilisation du cancer du sein. La ville de Sarcelles a organisé le village octobre rouge qui réunit tous les acteurs de la prise en charge, aussi bien des associations, des réseaux, mais également des établissements de santé. Alors, voici l'ICPN qui est le centre de radiothérapie, ELSAN, qui prend en charge les patients à un certain moment du parcours en radiothérapie, qui œuvre pour une prise en charge globale. Donc, on développe les soins de support pour que les patients puissent être pris en charge aussi bien au niveau esthétique, bien-être, psychologique, et puis évidemment au niveau des soins spécifiques. Voilà, donc on est là. C'est une réunion présidente du club de karaté de Sarcelles. Donc, alors nous sommes aujourd'hui Octobre Rose, d'accord, pour l'action contre le cancer du sein. Donc, alors nous avons au sein de notre structure des gens qui sont atteints par cette maladie. Donc nous savons très bien que le sport est primordial avant, pendant et après le cancer, d'accord. Ça accélère la rémission, ça ralentit la maladie et bien entendu ça évite les rechutes, d'accord. Donc nous savons très bien que les malades qui sont atteints de cancer perdent énormément de masse musculaire. Au niveau social, ce sont des personnes qui risquent de s'isoler. Donc nous leur proposons de venir au sein du club pour faire une activité physique et sportive qui est le karaté ou du fitness, de renforcement musculaire. Le but étant de leur refonder une masse musculaire et bien entendu aussi de les sortir de ce contexte de la maladie en étant en groupe, d'échanger avec les autres, d'expliquer son parcours de vie, ce qui est très important, se sentir utile dans une association. Et puis passer un moment autre qu'avec les traitements, l'hôpital et essayer d'adapter une vie normale. Voilà ce que je peux vous dire sur le sport et sa thérapie. Et c'est reconnu au niveau médical. Donc nous travaillons actuellement sur le sport sur ordonnance. Donc le but étant de former les éducateurs sportifs du club de karaté pour pouvoir ensuite obtenir un label, une référence, en sachant que les gens qui sont atteints de cancer pourront venir au sein de la structure pour pratiquer du sport, tout simplement. Voilà. Alors, je voudrais savoir en fait qui vous êtes, c'est ton départ. Alors nous, on est le centre de dépistage des cancers, donc qui s'occupe en fait de la gestion des dépistages organisés des cancers, notamment le cancer du sein. Donc c'est nous qui envoyons des lettres d'invitation aux femmes comme celle-ci à partir de 60 ans jusqu'à 75 ans. Ça fait plaisir de vous voir parmi vous. Et dites-moi, sinon, la suite de la journée, qu'est-ce que c'est la suite de la journée? Pour l'instant, et qu'est-ce que vous pensez de la flash mob? Encore, parce qu'en fait, par rapport à l'année dernière, en fait, il n'y a eu que la flash mob. Et on a trouvé que la société ne fait pas trop ça. Donc cette année, il y a une surprise parce qu'il y aura des kilos de mob. Les gens malades,
Donc c'est pour un petit peu s'assumer. On peut être dans tous les états, on peut être malade, on peut être belle. Donc c'est pour ça. Et moi je pense que franchement ça fait plaisir de vous avoir parmi nous et on doit continuer à faire la sensibilisation parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Je vous remercie beaucoup. Les bœufs. L'association Vivre comme avant, la particularité c'est qu'on est d'anciennes patientes opérées du sein. Et donc on visite les femmes à l'hôpital pour qu'elles puissent partager avec nous leurs émotions, ce qu'elles peuvent ressentir. On n'intervient pas sur la partie médicale, mais plutôt sur la partie les questions que je peux me poser, etc. C'est un moment d'échange, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure avec la patiente juste avant son opération ou après son opération. Et après, tout au long de leur parcours de soins, elles peuvent nous appeler au téléphone et on échange avec elles. Et du bruit pour l'HPNP! Allez, je veux du bruit sur cette place de France! Allez, on les encourage! Avec la jambe arrière, ça peut faire quelque chose.
Merci. Muni de ces gants roses que le club de karaté a décidé aujourd'hui de lutter contre le cancer. Et vous proposez cette démonstration. Ok, on fait Jean-Marie. Je profite pour remercier à nouveau nos partenaires qui se sont mobilisés aujourd'hui pour cette journée d'octobre rose. Moi également et David Assor et puis les élus municipaux, mais surtout l'ensemble des partenaires qui sont partie prenante totalement de cette démarche, à savoir en particulier l'HPNP représentée par Ségolène Benamou qui est ici présente, l'ICPN, Monsieur Bissaoui qui va être là dans quelques instants. Le centre commercial des Flanades, bien sûr, qui nous accueille, le centre de dépistage du cancer, la Ligue contre le cancer, Opalia, Mandalia, le club de karaté qui est extrêmement actif en la matière, Elsan, Erel, je pense avoir oublié personne. Saluer les athlètes aussi qui se mobilisent pour cette cause et qui sont de grandes championnes sarcelloises, Lamia Batoub et Myriam Soumaré, respectivement en karaté et en athlétisme. Et puis féliciter notre animatrice. Elle m'a surpris avec ses gants de boxe, Christine Salin-Chevalier, donc du fonds de dotation RL, pour sa bonne humeur, sa joie et le dynamisme qu'elle met dans cette manifestation. C'est évidemment ensemble que l'on peut lutter contre le cancer, cette grande cause nationale du cancer du sein. Insister bien évidemment sur le dépistage, sur le caractère préventif des actions pour qu'elles soient le plus efficaces possible. Et puis je vois que chaque année on est plus nombreux et il faut que l'on continue ces efforts parce qu'on n'a pas vaincu ce fléau qu'est le cancer, mais on a la chance notamment à Sarcelles d'avoir un corps médical qui est bien organisé, d'avoir des institutions médicales performantes. Je pense bien sûr à nos partenaires de l'ICPN et de l'HPNP, et de vous dire que en tant que maire de la ville, moi je suis très satisfait, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire en la matière, d'avoir un réseau médical qui soit aussi performant, aussi organisé, qui est capable de travailler collectivement et de se mobiliser à la fois dans la joie, dans la bonne humeur, mais aussi dans la performance médicale. Ça fait vraiment partie des fiertés de la ville. Et donc, c'est ainsi qu'on va continuer de travailler pour de nombreuses années. En tout cas, c'est le vœu que je formule ici en vous remerciant encore une fois toutes et toutes d'être extrêmement présents et mobilisés pour cette journée. Merci beaucoup. Et puis, je vais céder la parole à mon adjointe Sandrine Perronnet, qui a été une des chevilles ouvrières de cette journée avec les services municipaux également et que je remercie. Et puis, qui va vous dire des choses plus précises sur cette journée. Merci beaucoup. En préalable, je voudrais excuser monsieur le député. Il doit nous rejoindre, mais il était coincé sur une autre initiative. Donc, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les partenaires, mesdames, messieurs habitants de Sarcelles. Mesdames, messieurs les agents, monsieur David Assor, conseiller municipal délégué à la santé et moi-même, avons le plaisir d'ouvrir aujourd'hui une nouvelle édition des Journées de la Santé. Et nous avons le plaisir d'accueillir, donc, comme il a été dit, deux sportifs de nouveau, Lamia Matoum en karaté et Myriam Soumaré en athlétisme.
qui sont attachés à notre ville et aux enjeux de la santé que nous proposons de promouvoir sur notre territoire et qui sont également les deux marraines de l'initiative d'aujourd'hui. Dans un contexte de plus en plus difficile, parce que bien qu'envié par nos voisins européens, notre système de santé est fragilisé par des années d'approche uniquement comptable. Parce que notre santé est un enjeu, nous, médecins, soignants, chercheurs, directeurs d'établissements, patients, élus, devons continuer à nous mobiliser contre les réformes qui malmènent et mettent en danger ce système de santé, si cher aux Sarcellois et Sarcelloises. Cette journée santé sarcelloise, dédiée à la prévention contre les cancers et au dépistage organisé, en particulier contre le cancer du sein, s'insère totalement dans la mobilisation internationale d'Octobre Rose. La charte de l'Organisation mondiale de la santé rappelle que pour parvenir à un état complet de bien-être physique, mental et social, chacun doit pouvoir identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou s'y adapter. La promotion de la santé ne relève donc pas seulement du secteur de la santé. Son ambition est le bien-être complet de l'individu. Parce que chacun devrait naître, grandir et vieillir dans les meilleures conditions, n'importe où sur le territoire, les élus de Sarcelles font de l'accès aux soins et à la prévention, mais aussi de la lutte contre la désertification médicale, une priorité cardinale. Vous êtes nombreux, partenaires, acteurs de terrain, à participer comme chaque année à nos actions d'information et de sensibilisation. La municipalité montre, bien au-delà des dotations financières, une forte volonté depuis de nombreuses années de développer des actions de promotion de la santé. Leur objectif est de donner à tous les Sarcellois davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens de l'améliorer. Cela nous fait chaud au cœur de constater que d'année en année, nos partenaires santé, tout horizon confondu, sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur des moments forts comme ces journées. Cela signifie qu'au-delà des logiques technocrates, nous partageons les mêmes valeurs humanistes. Il est important de se connaître entre professionnels et institutions, et ce pour apporter une information pertinente et adaptée aux administrés, pour les inciter à prendre en main leur propre santé. Nous sommes convaincus que des moments conviviaux comme aujourd'hui apportent aussi une qualité certaine dans les relations professionnelles. Nous avions lancé l'année dernière un événement dansant, ici même. Après moult retours positifs et enjoués, nous voici à nouveau réunis pour soutenir l'effort de prévention collective, ainsi que toutes les personnes confrontées dans leur chair et par leurs proches à la maladie. Avant de laisser la parole à Ségolène Benhamou, directrice de l'hôpital nord-parisien, j'avais un petit remerciement à faire auprès des agents de la municipalité qui s'impliquent, participent lors de ces journées. Et j'ai un remerciement personnel à faire et chaleureux auprès du service hygiène et santé. Anne, Véronique, Catherine, Carole, Claudine, Éric, Gérald et Marie-Pascale. Qui gèrent cet événement depuis de nombreuses années et avec lesquels j'ai travaillé pendant 13 ans. Sur la prévention santé, car un élu n'est rien sans la collaboration des agents du service public. Nous vous invitons à participer ou à faire la promotion de nos actions santé, à savoir le mardi 26 novembre après-midi, à la plateforme des services publics des Sablons, un forum annuel sur la périnatalité, et le 3 décembre, la gare RER de Garges, à l'occasion des journées internationales de lutte contre le VIH, organisées cette année en collaboration avec la ville de Garges. Merci d'être venus aussi nombreux pour montrer votre soutien sur les thèmes de prévention en général et sur la lutte des cancers en particulier. Je laisse la parole maintenant à Ségolène Benhamou. Merci.
Bonjour à tous. Je suis donc Ségolène Benamou, le PDG de l'hôpital privé nord-parisien. Un grand merci à la mairie, à monsieur le maire, à Sandrine Perronnet d'organiser cette journée santé autour du cancer. Parce que la prise en charge du cancer, ce n'est pas la prise en charge d'une pathologie, c'est la prise en charge d'une personne. Et des journées comme celle-là, ben, ça permet à la fois de se faire connaître, nous, au niveau de la prise en charge médicale, mais à la fois de connaître les autres associations, tous ceux qui accompagnent les patients atteints d'un cancer. Et plus on se connaît, plus on améliore la prise en charge et l'accompagnement des patients. Donc merci beaucoup pour l'organisation de ces journées. Comme vous l'avez dit, monsieur le maire, on a la chance à Sarcelles d'avoir un site d'excellence, il faut le dire, d'excellence, dans la prise en charge du cancer. Nous assurons, grâce à tous les partenaires du site, l'hôpital privé nord-parisien, mais aussi le centre d'imagerie Paris-Nord-Sarcelles et l'Institut de cancérologie Paris-Nord, toute la filière de prise en charge du cancer qui se veut à la fois globale et personnalisée. Sur le site de Sarcelles, nous avons la chance d'avoir un très beau plateau technique qui permet d'assurer un diagnostic rapide et pointu. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous venons d'acquérir au niveau du centre de sénologie un logiciel d'intelligence artificielle qui permet d'améliorer la détection des cancers du sein. On est dans le cadre d'Octobre Rose. Sachez qu'en France, on est 5 à l'avoir en Ile-de-France. Il y a l'Institut Gustave Roussy et le centre de Sarcelles. Donc il faut se rendre compte du niveau de technologie et d'excellence que nous avons la chance d'avoir et de mettre à disposition des patients sur notre territoire. En termes de prise en charge, nous assurons les différentes modalités thérapeutiques avec nos partenaires, que ce soit la chirurgie des cancers, la chimiothérapie, la radiothérapie, la curithérapie, tout ça dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire entre professionnels. Et nous avons également, dans le cadre de cette filière globale, un service de soins de suite cancérologie qui accompagne les patients et tout un accompagnement en soins palliatifs avec une équipe de soins de support pour accompagner les patients dans la prise en charge de la douleur, dans les traitements de renutrition ou alors en intercure. Je tiens également à souligner, puisque nous sommes dans le cadre de la recherche et de l'innovation, que depuis 2013, nous avons créé à Sarcelles un centre de recherche clinique. C'est aussi assez exceptionnel, ça mérite d'être souligné, qui nous permettent de proposer aux patients l'inclusion dans des essais thérapeutiques et donc l'accès à l'innovation. Encore un très grand merci et je tiens à remercier tous les professionnels de l'HPNP qui sont là et dont vous connaissez l'humanité et le dynamisme. Bonjour, je tiens d'abord à vous remercier donc de votre présence. Je remercie également vraiment l'ensemble des partenaires qui participent à cet événement. C'est au niveau du centre de radiothérapie de Sarcelles, c'est un événement qui est très important et on est vraiment fiers de participer avec l'ensemble de l'équipe. C'est un engagement très fort au niveau de Sarcelles. On est ravis en tout cas de participer aux soins, que ce soit aux soins de support, avec un plateau technique qui est assez important et performant. On est vraiment ravis que vous soyez tous là. Et écoutez, je vous remercie la mairie également de nous avoir accueillis. Et je vous remercie tout le monde. Merci à vous. Merci. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Vous avez apprécié cette journée? Moi, j'ai plus beaucoup de voix. On a décidé de remercier monsieur le maire et de l'élire comme membre d'honneur de notre fonds de dotation. Donc on va lui remettre une bouteille de champagne, voilà, qui est gravée à son nom. Voilà. Alors, à ne pas boire tout d'un coup, bien sûr, on en garde un tout petit peu. Hein, voilà. Et on a décidé vraiment de le remercier parce que la mairie de Sarcelles s'investit beaucoup pour vous tous et on trouve que c'est une ville attachante, avec des gens attachants. Et je trouve que les Sarcellois sont des gens super dynamiques. Les jeunes qu'on a rencontrés aussi. Donc bravo à vous tous, bravo. Je vais laisser maintenant la parole aux deux marraines. D'abord avec Lamia. Bonjour à tous, merci d'être présents ici aussi nombreux. Ça fait vraiment plaisir. Je vois certaines têtes que je connais d'ailleurs. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux, surtout pour une cause comme celle-ci. Donc bravo à tous les partenaires qui sont présents. Et bien sûr à mon club de karaté aussi. Je vais vous parler plus précisément des bienfaits du sport pour des maladies comme le cancer du sein. Donc on sait que le sport, c'est une approche qui est unique et qui est déterminante dans certains cas de cancer. Donc il y a l'OMS qui identifie donc l'inactivité comme le quatrième facteur de mortalité dans le monde. Donc
Donc voilà, le fait de faire du sport, c'est quelque chose malgré tout de très important, quel que soit le fait que, enfin, par rapport aux personnes qui sont sédentaires, donc alors les personnes atteintes de cancer, bien évidemment, ça peut être quelque chose d'assez important. Donc l'activité physique permet de lutter contre les maladies et donc réduirait par exemple les risques de récidive, donc des personnes qui ont été atteintes d'un cancer de 30 à 50%, donc c'est quelque chose qui n'est pas très négligeable. Donc le sport prend également les traits d'un médicament, donc qui peut être accessible à tous, et qui permet aussi de lutter contre les inégalités qu'on peut connaître, bien évidemment, dans des villes comme Sarcelles. Donc le cancer, on sait très bien que ce sont des soins qui sont très lourds, et donc épuisants, qui peuvent bouleverser un certain nombre de personnes. Donc le fait de maintenir sa masse musculaire donc, peut être très important, et agir sur le muscle et bien sûr l'entretenir donc, et le développer est une action anti-cancer en tous les cas et s'accompagne bien sûr d'un bénéfice de survie. Donc c'est quelque chose qui n'est pas non plus négligeable comme je le disais. Donc il y a quelques principes de la pratique sportive donc, avant les traitements, comme préparer par exemple le corps donc au traitement invasif, lutter contre la fatigue, donc limiter les effets secondaires de la chirurgie, augmenter les chances de survie par la pratique précoce et durable et régulière, réduire la sédentarité, améliorer la qualité de vie pendant les traitements et bien sûr faciliter le retour à la vie familiale et donc, que ce soit social également, pardon, son corps et se réconcilier avec lui, parce que quand on a des traitements comme ceux-là donc qui sont très, très douloureux, qui peuvent prendre beaucoup de temps et qui sont éprouvants également, je pense que se redécouvrir, c'est quelque chose de très important parce qu'au final, on ne se connaît plus. Donc, il y a eu des effets au niveau des traitements. Donc, c'est quelque chose qui est important. Retrouver également confiance en soi et lutter contre l'isolement et contre la maladie. Parce que malgré tout, quand on a des maladies comme celle-ci, c'est difficile déjà d'en parler à sa famille dans un premier temps, d'en parler aux proches. Et ça peut nous permettre aussi de s'ouvrir un peu plus à certaines personnes qui connaissent exactement ce qu'on vit à l'heure actuelle. Donc, je trouve ça important. Et puis voilà, je vais laisser la parole à Myriam Soumaré. Bonjour à tous. Bon, c'est un peu compliqué de passer après tous ces jolis discours. Donc moi, j'ai accepté d'être marraine parce que c'est une cause qui peut toucher n'importe quel d'entre nous, soit nous particulièrement ou nos proches. Donc je pense que c'est important de montrer qu'on soutient. Après, moi, j'ai connu le sport performance. Mais vous savez, il y a le sport loisir, il y a le sport plaisir. Donc, comme elle a dit Lamia, c'est un facteur de bien-être. Donc, n'hésitez pas à faire du sport pour le plaisir. Pour nos mamans qui se plaignent du mal de dos, du mal du ventre, des mal aux pieds, ben venez courir. Il y a un stade juste à côté. Il est ouvert. Donc, n'hésitez pas, prenez soin de vous. En tout cas, on est là pour vous. Il y a l'hôpital pas loin, il y a la famille, les amis. Il faut qu'on reste solidaires, il faut qu'on s'entraide parce que voilà, ça peut arriver à tout le monde et il faut qu'on soit ensemble. Que je vous aime et puis voilà. Merci à vous deux parce que c'était pas évident. Je voulais saluer la présence du lycée Jean-Jacques Rousseau, c'est ça? Voilà, c'est vous les filles, parce que qui nous fait l'honneur d'être présentes aujourd'hui, qui ont été tout le long de la journée avec nous et qui nous sont encore. Et Christine, partez pas tout de suite. Et là, nous allons laisser place maintenant au défilé et Christine a encore une petite information à vous donner. Voilà, donc je vais vous demander juste de dégager la piste hein, pour que ces dames puissent passer. Alors, elles ont beaucoup travaillé. Et je te montrerai comme je mords, comme je bois. Couleurs sont salades, tomates sont salades. Un animal déguisé au matin. Et voici Martine qui rentre sur scène. Je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui frissonne.
Et des encouragements pour Martine. Et je vous présente Julie. On applaudit bien fort Julie. Et voici la belle Sophie. I ain't gonna fall back. All that, I'm take it on me, all that, I hit the hands, you're gonna be my partner. Tonight, I'm take it with me, what you fall off, that it ain't no sense. On remercie Sophie, on accueille Valérie. What you fall off, that it ain't no sense. And you tell your friends, and they hold your hands. Et le soleil brille et les femmes aussi. Et voici Anaïs. On remercie Anaïs et on accueille Alam. Allez, on encourage bien fort Alam. Et puis elle est très très stressée, alors vous allez l'encourager, on applaudit Cathy. C'est un tonnerre d'applaudissements que je vous demande pour toutes ces femmes qui ont joué le jeu de défilé aujourd'hui. Allez, on les applaudit bien fort. To fill their days inside their broken hearts, they wait. The future's fire lights up the gray until the clouds all blow away. Encore plus de bruit, s'il vous plaît. Je vaux de l'or, j'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers de l'eau. Je veux ton amour dans mes mains. Je vis. Elles sont courageuses, elles sont belles. Vite sans peur, j'avance. There's nothing strong. Allez, un maximum de bruit pour nos modèles, pendant que j'appelle les créateurs et créatrices sur scène, qui les ont préparés, maquillés, habillés, pouponnés. Un tonnerre d'applaudissements pour nos créateurs et créatrices.
autour je trace ma terre. Vous pouvez pas faire plus fort que ça. C'est le vrai, les frères sont là. C'est le jour du bon départ. Tu verras, je suis belle, pour te décevoir. Qui sait bien, ça pourrait prendre des années pour rien. Le plus tôt pour le coup, on est demain. Ce genre de séquence, je pense souvent. On dit que son masque, je vends de l'or. J'amorce mon bras. Allez, sous un tonnerre d'applaudissements, elle reçoit un passage devant vous. On y va, un tonnerre d'applaudissements pour nos modèles, créateurs. Un grand merci à la Fondation Eden également qui a permis la mise en œuvre de ce défilé. Allez, on les applaudit pendant qu'ils quittent la scène. Bien, bien fort. Et moi, pendant ce temps-là, je vais vous demander de ne pas bouger, de rester par ici. Nous allons avoir tous les collègues. Le sol tremble, pas plus bas que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins que tous ces gens que j'aime. On vous l'a dit l'année dernière, il y avait une flash mob. Et de représenter la petite flash mob avec vous. Est-ce que tout le monde est là? Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Si, 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 si. Ok, c'est parti.
Dans ce bloc où tout est blanc, je suis là pour haïr le jour d'avant. Je suis là pour guérir un jour suivant. Je suis là languir et être impatient sur ce banc. Tu es là dans mon sang et tu coules dans mes veines. Tu me fais courir 10 fois par semaine. Tu me feras dormir si j'ai trop de peine. Tu me feras vieillir au bout de mes chaînes. Brise les tiennes. Nous serons là sans contrainte. Quand sert l'espoir de vaincre, nous serons là pour survivre. Quand sert l'espoir de vivre. Il est là dans ma peau, il vit au fond de moi. Il me fait souffrir, mais c'est lui le roi. Il te fera mourir si les docs ne trouvent pas. Il nous fera sourire s'il tombe avant toi. On te vaincra. Nous serons là pour survivre. Quand c'est l'espoir de vivre. Nous serons là sans contrainte. Quand c'est l'espoir de vaincre. Nous serons là pour survivre. Quand c'est l'espoir de vivre.